Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous sommes sur Escape Soapit qui est un escape game qui a été fait sous RPG Maker. Donc, pour ceux qui veulent le jeu, je vais certainement vous mettre un temps parce que je vais un peu expliquer le concept de ces vidéos. Donc, cette vidéo fait partie, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, des expérimentations du Nana. Le but de ces vidéos est me permettre de tester de nouvelles choses. Principalement, voilà, le but ne va pas être de faire des vidéos expérimentales comme on en voit souvent, mais juste de tester de nouvelles choses. Par exemple, dans ce jeu, je vais tester de voir si je suis capable de vous retranscrire l'anglais de manière fluide ou de si c'est passable, etc. Si j'en suis capable. C'est principalement pour ça que je fais cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Étant donné qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vidéo qui vient après. Je pourrais la mettre n'importe où. Donc très certainement peut-être pour boucher un trou. C'est probable. Donc je ne pense pas qu'on va vous faire attendre plus longtemps. Et on va commencer. Où suis-je? Il semblerait que quelqu'un m'ait piégé ici. Je ferais mieux de m'échapper. Ok, donc c'est un escape game. Donc le but c'est de résoudre des énigmes pour sortir de la pièce. Déjà on a un petit manuel pour nous expliquer. Voilà, c'est un manuel d'utilisateur. C'est ce que vous connaissez comme étant un escape game. Essayez de vous échapper sans utiliser aucun. Sans utiliser trop d'indices. Alors les contrôles, voilà, entrée, etc. Je les connais. Un avertissement est ici. Faites attention aux craquelures, ces craquelures dans le sol. Vous allez tomber si vous pesez plus de 50 kg. Les trous se reset si on se repose dans le lit. Ça tombe bien, on peut voir en bas que on ne pèse que 45 kg, donc on peut aller dessus. Faire gaffe, c'est une information très importante pour la suite. Donc on va commencer par là, ici on peut pas faire grand chose, il y a des pics. Et on a que 30 HP et on perd 10 HP, donc on peut pas aller bien loin. On va se reposer quand même. Donc le but c'est que, comme c'est un escape game, il n'y a pas grande histoire, surtout que ce jeu m'a marqué, il court aussi, je finis d'une traite, donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire. Le but aussi, ça va être pas de vous donner la solution directe, mais peut-être de donner 2-3 petits indices pour ceux qui galèrent sur 2-3 petites énigmes. Essaye de regarder depuis l'arrière. Pas là. Ah, je me demande où est-ce qu'il peut bien faire référence. Ici on a un labyrinthe. Qu'est-ce qu'il y a de marqué ici au fait? Une étoile. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc on visite un peu. On va voir qu'il y a une fille de piégée. On peut pas aller la rejoindre. C'est étrange. Vous voyez, est-ce que je m'en rappelle plus ou est-ce qu'il y a la première énigme? Je crois qu'elle est là. Miroir, miroir sur le mur. Qui est la plus belle d'entre nous? Un miroir. On dirait un miroir. Oh, on peut entrer un digicode. Non, puisque le digicode, évidemment, il est là. Alors, 2, 3, 4. On va prendre le nombre de lettres. Un peu plus si c'est ça. Ah bah oui, c'était ça. Une clé en bois tombe de nulle part. Avec ça, je peux ouvrir les portes en bois. Logique implacable. Avant, on va aller voir un peu autre part. Ah, c'est complètement noir. Complètement sombre, on peut plus rien voir. Par ici, encore des pics, on peut pas faire grand chose. On mourra avant même d'avoir atteint le levier.
Donc on peut ouvrir les portes en bois quand c'est que celle-là. Enfin quelqu'un. Ash! Est-ce que c'est toi, Forest? Alors tu es piégé ici, n'est-ce pas? Ouais, j'ai été enfermé dans cette pièce. Mais tu viens juste de me sauver en dévouant la porte, donc... Et Forest, est-ce que tu as une idée de où est-ce qu'on est? Non. Pas même un indice. Si tu trouves quelque chose, laisse-le moi savoir, s'il te plaît. Donc c'est comme ça. Ok, donc t'es pas d'une grande aide finalement, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, une bouteille vide. On peut la remplir. Mais ça va pas nous servir pour l'instant. C'est quoi ça? C'est une espèce de machine. Il n'y a pas l'air d'avoir d'électricité pour le... Pour le... L'alimenter. Au fait, ce cristal... Qu'est-ce que c'est, sérieusement? Il y a un emplacement pour une batterie, mais je n'ai rien qui y ressemble. Ok, donc cette pièce me servira plus tard. On va commencer là. Un feu, quatre petits oursons et une porte. Une porte bleue qu'on ne peut pas ouvrir. Cette clé n'est plus nécessaire. Ça c'est cool, au moins ils nous disent qu'on n'aura plus besoin de la clé. Encore une porte bleue, une porte en grille et deux armoires. Qui ne s'ouvrent pas. Eh ouais, elle ne s'ouvre pas. Donc. Il y a une notice. Alors, il devrait y avoir marqué... Un mot de passe digital sur le mur du sous-sol, donc je ne l'ai pour ne pas l'oublier. Voyons voir. Après avoir trouvé l'étoile, on sait déjà où elle est. Alors, String, il me semble être c'était directement aller directement en arrière de la pièce sans se laisser. Distraire par les passages enfourchés. Donc déjà la traduction est plutôt mauvaise. J'espère que vous avez compris l'idée de ce qu'il faut faire. On sait déjà où est l'étoile. Elle est là et nous dit sortir de la pièce sans nous laisser influencer par les autres passages. Et il y a quelque chose d'écrit sur le mur. 7145, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre un crayon et une feuille de papier, ça va nous être utile plus tard. 7145. Une clé bleue, on va pouvoir ouvrir toutes ces petites portes bleues. Quelle étrange salle. Alors, si vous attrapez vos propres seins depuis derrière en utilisant le corps de votre partenaire, ce coffre va probablement s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ouais, c'est... vous verrez, c'est assez marrant. Donc, une porte bleue, il y en avait une par là. Non, il y avait deux portes bleues. Une autre salle mystérieuse. Qu'avons-nous déjà un livre. Numéro 2. La somme de la taille de tous les hommes. Ok, on fera mieux de le retenir, ça sent important plus tard. Il va falloir un truc pour casser ce mur. Il n'y a qu'une bibliothèque. Ce qui est perdu et trouvé est ici. On dirait qu'on est une espèce de carte. Je suis sûr que cela nous rappelle quelque chose.
Donc le problème, c'est que il me semble que c'est trop tôt parce que vous remarquez bien que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et que donc théoriquement, je pensais qu'il y avait quelque chose ici, mais il n'y a rien. Peut-être que je vais avoir affaire ici plus tard. Donc effectivement, pas encore récupéré, je vois pas pourquoi, mais bon. Ah oui. Je viens de me souvenir ce qu'il fallait faire. Et voilà. On prend de l'eau, le poids augmente de 2 kilos, franchement, c'est une bouteille de 2 litres ce truc. On verse de l'eau sur le feu, hein, attends, pas besoin de chauffage. Est-ce que ça pourrait être intérieur du four, le fond neige, vous découvrez une note. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Alors on commence par gauche, 3 fois droite, 2 fois gauche, droite. Je vais juste le noter vite fait quelque part. Si j'ai un crayon, ça devrait suffire. Alors c'est... Alors, gauche, droite, 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 gauche, gauche, droite. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où il y a des trucs à gauche et à droite? Les deux armoires. Alors, on commence par la gauche. Une, deux, trois. Une, deux. Et enfin, l'armoire s'ouvre. Tu découvres une lanterne. Avec ça, tu pourras aller dans les endroits sombres. Les endroits sombres comme on a vu tout à l'heure. Et là on a une pierre qui fait des mouvements bizarres. On ferait mieux de les noter, ça pourrait être important plus tard. Alors, hop, 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 hop. Elle semble s'arrêter à peu près à quelle position comme un carré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Six, sept. Voilà, donc normalement j'ai tout noté. Et tiens, si on va à la salle juste au-dessus, nous avons les ours en peluche. Vous avez un... Il y a... Ceci est un ours en peluche. Ok, numéro 1, numéro 2, c'est en bas. C'est un ours en peluche. Le numéro 3. Le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6 et normalement le numéro 7. Qu'est-ce qu'on a bien pu débloquer? Une batterie. Ah, très intéressant, on va pouvoir la mettre dans ce cristal, mais que peut bien-il faire? Une batterie. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Je pense que la machine a démarré, puis il y a eu un flash blanc. Ah, et j'ai un mal de crâne. Peut-être que la machine c'est dangereux. Ah, j'aurais dû être plus... J'arrive pas à retrouver le mot. Careful, ça veut dire plus attentionneux. J'aurais dû faire gaffe, quoi. Oh, c'est vrai. Forrest. Il devrait être juste à côté de moi, mais... Forrest! One Forrest! Faut me faire la blague. Ah, Forrest. Est-ce que c'est moi? C'est moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me tiens en face de moi-même?
Est-ce que ça pourrait être Forest? Non, est-ce que ça pourrait être Ash? Est-ce que ça pourrait-il que nos bodies, non, nos corps, auraient été échangés? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que cette machine est probablement la cause de tout ceci. C'est vrai. Si on l'allume encore une fois. Clic. Ah, je suis revenu. Ouf. Je sais pas comment traduire ça. Tout va mieux, je crois, un truc dans le genre. Mais si on l'enclenche encore. Quoi, encore? On dirait que cette machine est la cause de ces changements de corps. On dirait, mais faudrait pas l'enclencher encore. Attends une seconde. Pourquoi ne pas rester comme ça un petit moment? Mais pourquoi? Oh, c'est bien, juste un petit peu. On peut toujours retourner en utilisant la machine. Mais tout sera ok, crois-moi. Bon, maintenant je vais me balader avec ce corps, ok? Mais attends! Donc, maintenant qu'on a un nouveau corps, parce que c'est un peu la base de ce jeu en fait, vous allez voir, c'est là on pèse plus de 50 kg donc on tombe. Ah, ah bah pile poil, un coffre! Ah là là, une gel key. Ouh, génial, on va pouvoir ouvrir cette porte là. Mais la clé s'est cassée. Ah ah, mais comment pourrait-on faire, vous me dites? Parce que la clé, elle est là. Elle est pas autre part. Alors, que pourrait... Ce panneau. Souvenons-nous-en. Il nous a dit de regarder. Et derrière... C'est vide. Oh, il y a un bouton derrière le coffre. Clic. Mouahahaha. Maintenant, je peux ouvrir plus de grilles. Bon, on va se reposer parce que l'un des autres avantages d'avoir le corps de Forest... C'est qu'on a plus de PV. Et quoi, qu'on va le faire souffrir son corps, vous allez voir. Parce que là, on peut survivre au pic. On peut traverser les pics et enclencher ça. Popopo. Il y a une note. Les participants sont les 5 invités suivants. Les écolières Ash, Terra et River. L'écolier Forest et le prof Goldman. Donc au moins on sait qui est piégé ici, c'est cool. Cette porte-là elle veut pas s'ouvrir. Il y a un trou, on risque de tomber. Même par hasard. Alors, à moins que ça donne que 5 HP parce que ça je failli crever. Alors où est-ce que ça pourrait être intéressant? Je vois un peu où est-ce qu'il y avait ça. Bah justement, attends. Ah, il y a un trou, est-ce qu'il mène? Il mène là, ça sert à rien. Là, non, puisque pour faire un aller-retour, on n'a pas assez de HP encore. Hein, vous notez bien avec qui on va en avoir assez. Bon, il me semble qu'on a fini pour l'instant. On va retourner dans notre corps. Attendez une seconde. Il y a quand même une petite dernière chose qu'on doit faire. Souvenez-vous-en de ça. Parce que dans cette situation, ce qu'on peut faire, c'est le faire. Aïe! Yeah. Quoi? Je ne vais pas traduire ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. Puis, c'est mes propres seins. C'est... Tout ira bien. Donc, maintenant, j'ai changé de corps. Parce que je crois pas qu'on ait plus besoin pour l'instant. J'ai envie de tomber dans ce trou à chaque fois. Ce coffre doit être effectivement ouvert. Un cristal shard. Un morceau de cristal. Bien se demander à quoi il sert. On va ouvrir cette porte.
On trouve quelqu'un d'autre. Ah, Terra. Oh, cette voix, est-ce que ce serait H? Qu'est-ce que tu fais ici, Terra? Je cherchais pour une sortie, mais j'ai perdu mes lunettes. Oh, tu es... Ah, je... Voilà, quoi, elle a besoin de lunettes, c'est-à-dire qu'elle va voir que dalle. Ouais, merci. Si tu pouvais pas trouver mes lunettes, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais les trouver. T'inquiète pas. Merci. Oui, c'était très c'était plus du résumé que la traduction, là. Alors, ces lunettes devraient être à proximité. Quand même, elles doivent pas être trop loin. Et justement... Justement ici, qu'avons-nous? Ah, j'ai trouvé quelque chose. Et des lunettes. Merde, je suis trompé de touche. On pourra les redonner. Parce que ce qui est marrant, c'est que si... On peut déjà switcher. Oh, la machine a échangé les corps. Il y en a une ici aussi. Je me demande si je l'allume. Oh, je ne peux rien voir. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je peux voir ce qui se passe autour. Ouais, elle est mieux à ce point-là. Ah, je suis retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé tes lunettes, merci. Ah, je peux enfin voir ce qu'il y a devant moi. Tu m'as sauvé. De rien. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, il y a une autre porte qu'on peut ouvrir. C'est celle-là. Ok, avant d'aller par là, parce que ça sert à rien pour l'instant, je voulais aller là parce que faut que je laisse ce trou là. Cette musique. Je marchais sur un truc. Et je tombe là. Allez, hop, un switch. Et ici par contre. Danger, les personnes pesant plus de 40 kg ne peuvent pas passer. Et elle tombe. Peut-être dangereux, on va éviter. Y'a quoi dans le coffre? Crystal Shard. Ok, donc. Vous allez me demander une chose. C'est quelle est l'utilité de prendre son corps? Ça a marché, succès. Qu'est-ce qui m'arrive? On a échangé. Nous avons échangé, toi et moi. Échangé. Ah, je me tiens en face de moi-même. Et mon corps, c'est H. Incroyable, n'est-ce pas? Si on use cette machine, on peut échanger nos corps. C'est trop surprenant. Bon, ton corps, je vais un peu me balader avec, ok? Hein? Je vais te le retourner bientôt. À la prochaine. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu peux pas palper tes propres seins derrière l'autre, puisqu'ils sont tous à côté d'un mur sans forest. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on pèse 49. Vous demandez, oui, mais alors, à quoi ça sert? Ça sert qu'on tombe pas dans les trous. Et donc, on peut passer là. Hein? Oh, tiens, libre. Numéro 1. La somme des tours de poitrine de toutes les femmes. Je serais mieux de les noter. On aura besoin pour la suite. Ok? Important. Un avertissement est ici. Oui, donc là, ça nous dit justement que le trou tombe si on fait plus de 50 kg, mais si on pèse plus de 50 kg, on peut même pas entrer dans la salle. Mais nous avons de l'eau. Et nous avons une bouteille vide. Et notre poids augmente de 2 kg, souvenez-vous-en. Et donc là, on tombe. Tiens, un mec.
Goldman. Oi. Ah, monsieur Goldman, pourquoi êtes-vous emprisonné ici? Si tu n'avais pas remarqué, j'ai été enfermé ici. Je suis désolé, mais est-ce que tu pourrais trouver un moyen de me délivrer? D'accord, monsieur le professeur. Un petit bouton pour ouvrir la porte. On va sûrement avoir besoin d'une pelle. Je sais pas où est-ce qu'on peut la trouver. J'ai un marteau. J'ai un marteau. Le marteau. Oh, je sais utiliser le marteau. J'ai vidé cette bouteille, c'est trop chiant. En plus, j'avais plus de PV. Changer de corps parce que c'est trop chiant. Voilà. Oui, ça change la musique. Je préfère cette musique là. Elle est plus calme. Ça fait plus énigme. Oui, je raconte de la merde. Sauf que non, j'ai besoin de son corps finalement. Je suis con. Oh, j'ai vidé la bouteille en fait. Non, je tourne pas en rond. Et oui, cet épisode va durer longtemps. Parce que oui, je compte finir ce jeu en une seule fois. L'épisode va durer très longtemps. Oh mon dieu. L'encodage est l'upload. D'abord, je vais vider la poubelle. D'ailleurs, si vous posez la question... Oui, je peux échanger comme ça. Mais je le fais pas parce que ça va me poser problème plus tard. J'ai pas envie de rendre les choses compliquées. Tant que j'ai un marteau, je peux défoncer ce mur. Et... on a des lentilles. C'est pas des lentilles. Si, si, des lentilles. Non. Oh, puis on s'en fout, vous savez c'est quoi? Oh, on dirait que je peux les échanger avec mes lunettes. Et anti de contact, c'est bien ce que je disais. Installation. Succès de l'installation. Maintenant qu'on a des lunettes, à quoi cela peut bien nous-t-il servir? Je viens de dire un truc qui est même pas français. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a des lunettes? Ah non, maintenant qu'on a le marteau, je sais quoi faire. Le marteau est pas mort, donc on peut faire quelque chose. On peut aller à l'étage en bas. Je sais même pas si je fais les choses dans l'ordre, mais bon. Pour tout, je suis même pas sûr qu'il y a un ordre. C'est juste que comme vous pouvez le voir, ici il y a un trou, donc ça veut dire qu'on peut marteler cette connerie là. Non, pas la bouteille, le marteau. Oh. Le marteau s'est cassé. Et toi, tu as réussi à faire un trou dans le mur. Et donc toi, tu dois être... Ah, c'est River. Ah, tu es finalement venu me sauver. Désolé de t'avoir fait attendre. J'allais dire ça, mais il n'y a pas de vrai... Il n'y a pas moyen que j'allais savoir qu'il faudrait que je te sauve. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Back? Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire en fait. Le jeu a été fait par un japonais, puis ensuite a été traduit en anglais. J'ai oublié de vous le dire. Alors que c'est une info pas si importante que ça, mais bon. Capable de voir depuis la chambre, depuis la salle à la gauche. Elle a brisé le quatrième mur. Ouais, bon, de toute manière, tu m'as sauvé. Je vais te remercier. Merci. Ah. Et quoi à côté? Investigate 4 pieds. Oui, d'accord, j'ai compris. Donc il faut faire qu'on a l'étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est à peu près par là. Au pire, je chercherai au pif. C'est quoi la salle qui est juste au-dessus? Et vous verrez pourquoi c'est utile. La salle juste au-dessus. Donc théoriquement, ça aurait été que par là. Ah! Il y a une espèce de levier d'interrupteur ici. Clic. Ouhou. Oui, le poste en bas se référait à l'étage au-dessus.
Ok, mais vous me dites à quoi ça sert? Bah ça sert que... Ça servira plus tard. Pour l'instant, je sais plus quoi faire. Il faut que je trouve une pelle. Et d'accord, je vois. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire à partir de cet instant-là. Non, là, on a besoin de Coleman. Besoin d'une pelle. Ok, donc je... Il semble que si j'échange avec Forest... Pourquoi on échange avec Forest? Je sais plus. Que si je vais là, c'est trop petit. Voilà, ça veut dire que le trou est trop petit, donc c'est d'où l'utilité de l'escalier. Et pourquoi on voudrait y aller avec Forest? Je sais plus. Enfin, je sais pourquoi, mais je vais pas vous spoiler. Hein. Elle nous dit que faut pas s'en approcher. Il y a des trucs étranges à Paris, on s'en fout. Tiens, il y a 4 fissures dans le cristal, d'où les cristal shards hein, qu'on peut insérer pour il manque encore 2. Ah Forest, pourquoi est-ce que tu viens juste maintenant pour me sauver? Tu es si en retard. Ah, je m'a déjà trouvé. Ah oui, au fait, j'ai trouvé ça. J'espère que ça sera utile à toi, mais une pelle. Serait-il possible que elle et Forest avaient quelque chose, hein, genre une relation? J'y sais, j'ai rien. Bon, trouver mon corps, hein, moi j'évite de trop me disperser. Hop là. Donc ensuite, j'ai oublié de noter son tour de poitrine. Cette phrase. Non, je voulais utiliser la pelle. Est-ce qu'il est évident qu'il faut utiliser la pelle là? Oh, un trou. Oh, la statue des lunettes. Tant bien, j'ai une paire de lunettes. Qui fait spawn un coffre. C'est ça, shard 2, et on peut ouvrir ça. Voilà. Parce que comme vous doutez bien, River, elle est super fine, super petite, donc elle pèse sans doute moins de... Je sais plus c'était quoi le poids réglementaire pour ne pas tomber dans le plancher. Et maintenant que j'ai obtenu ça, je m'en fous, moi. Oui, avec la pêche, je peux sauver Goldman. Failli oublier. Petit détail. Juste des petits détails. Oh. Voilà. Ok, je vais creuser là. Ouf, ouf. Pourquoi tu fais le bruit d'un chien? Le trou est fait. Ah, la pelle s'est cassée. YOLO! Monsieur, bou. Merci, tu m'as sauvé. Ok, avec ça, je peux switcher avec Sensei. Et quelle utilité? Ok, Monsieur Goldman est juste à sa droite. Essayons d'échanger. Très bien. Encore une fois, un magnifique succès. Ouh. Alors c'est comme ça que le corps de Goldman sent. Je me sens si puissant. C'est n'importe quoi. Quelle va être sa réaction? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons juste échangé. Tous les deux, vous et moi. Échanger. Mais quelle espèce de blague est-ce? Est-ce que c'est moi? C'est correct, Tensei. Je suis devenu vous. Alors je suis... regardez. Et vous allez voir, vous êtes devenu moi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que... Vous... Dites oui. Par vous, vous êtes devenu moi. Regardez. Et vous devriez comprendre par l'apparence. Vos vêtements sont différents. Même votre voix. Et encore plus, vous avez des seins. Ah, cette obsession pour les seins. Mon corps a même des seins. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ils sont réels. C'est les miens quand même, hein, alors les attrapez pas si fort. C'est complètement ridicule. Et il ne m'écoute même pas. Bon, il est complètement paniqué, hein, les adultes ils paniquent toujours. Sauf qu'avec ce corps, je peux survivre au pic. C'est la charge 1. D'ailleurs, je vais noter sa taille. 5,82. Je crois que j'ai pas trop besoin de lui plus tard. Donc, pour l'instant, on va swap quand même le pauvre. Hein, on va éviter de le faire paniquer, ça va. C'est vraiment une expérience. Astonishing. Qui vous laisse sans voix. Oui, je suis pas très bon à la traduction. Et alors, le but de cette vidéo, c'est de m'améliorer. Non, si j'ai tous les cristal shard pour ça, avec River. Normalement, il m'en manque un. Non, je sais plus. Ah bah non. Hop là. Ok, il s'allume. Sauf qu'avant, j'ai un truc à faire vite fait. J'ai oublié de noter la taille de Forest. Qui fait 1m75. Attends, je vais pouvoir échanger avec River. Je pense qu'on est bientôt à la fin. Yes! Essayons d'échanger avec River. No. Cette fille commence à avoir un sérieux pet to cash, non? Oh, un succès majeur. Cette traduction est complètement pourrie. Est-ce qu'il y a un quelconque problème avec ça? Comme toujours. De même qu'à chaque fois. C'est devenu une routine, tu vois. C'est tout à fait normal. Ouais. Alors là, oh, changement de corps. Ouais, nickel, ok. Son corps est vraiment le plus petit et le plus léger. Attends, qu'est-ce qui vient de juste de se passer? Comme tu peux le voir, on a échangé nos corps. Comme tu peux le voir. Ouais, alors je vais aller chercher une échappatoire. River reste dans mon corps, ok. Ne sois pas trop dur avec lui. Attends une minute. Ok, maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir traverser le plancher puisque 74. On peut pas courir. C'était où? C'était là. On peut passer. Il y a un livre. 1 plus 2 plus 1. Et ce coffre a un mot de passe. Alors, vous m'excuserez, je vais prendre la calculatrice. Parce que comme vous l'avez remarqué, 1 et 2, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La calculatrice, elle est là. Alors, j'ai dit qu'on avait 80 plus 88 plus 74 plus 182 plus 175 plus 1, et théoriquement ça fait 600. Et ça s'ouvre. Et on a obtenu la clé de sortie. On va enfin pouvoir sortir. Bon, évidemment, cette clé ouvre la seule porte qu'on n'a pas encore ouverte. Il n'y a que 25 PV, c'est pas beaucoup. Ça me fait trop penser en fait aux musiques du professeur Layton. En fait, c'est tellement ça. Que pour ouvrir cette porte enfin. Et là, il y a encore une énigme.
Alors, feu, eau, bois, or, terre. Hein? Est-ce que ce sont les caractères? Oui, les caractères pour les jours de la semaine. Mais ce n'est pas un calendrier. Oui, alors, nous, les jours de la semaine viennent des astres. Hein? Sunday, Monday, lundi, lune. Les autres, ils ont été trop transformés pour son, voilà, Saturday, Saturne. Mais pour les Japonais, puisque j'ai dit que c'était un jeu japonais, les jours de la semaine viennent des éléments. Donc, c'est-à-dire le jour du feu, le jour de l'eau, c'est comme ça qu'ils ont les jours de la semaine. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, on a le problème, c'est que, du feu, mais il n'y a pas de feu, de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Donc, je vais aller chercher de l'eau. Je vais aller chercher l'eau. Et cet épisode fait déjà beaucoup trop long. Puisque quand vous avez pu le voir rapidement, il nous reste la lanterne. Hein, j'allais chercher un petit moment, genre, oui, comme on a du feu, ben, je suis con, j'ai une lanterne sur moi. Alors, la lanterne. On remplit ça d'eau. Et là, là, il y a des flèches. On va essayer d'ouvrir la porte, mais ça ne s'ouvre pas. Alors, je dois bien vous avouer que pour cette énigme-là, j'ai été obligé d'aller chercher sur Internet. Réfléchissons 5 secondes à cette énigme, parce que j'ai la solution, mais le but c'est de vous faire deviner. Et de toute manière, je suis plus à ça près, la vidéo fait déjà 40 minutes. Il y a 5 éléments, le feu, l'eau, le bois, l'or et la terre. Attends une seconde, l'or, ça me fait penser à Goldman, mais attends une seconde. Je pense que vous avez déjà dû choisir, hein. Chaque élément correspond à une personne. Nous avons H, la cendre, River, la rivière avec l'eau, Forest avec le bois, Goldman, pas besoin de le lire, et Terra, la terre. Mais à quoi correspondent ces flèches? Bah, en fait, la feature principale du jeu, c'est l'échange de corps, donc ça signifie qu'il nous ordonne d'échanger les corps d'une certaine manière. Pour ouvrir la porte. C'est complètement tordu. Alors, il faut que... Ok, donc il faut que... Monsieur Goldman et Terra échangent tous les deux de corps. Il faut que Forest soit dans le corps de River, qui soit dans le corps de H, qui est elle-même dans le corps... de Forest. Donc c'est pour ça que j'ai évité de trop échanger les corps à gogo, parce que sinon pour cette dernière énigme ça va être la chiantise. Donc j'ai commencé par Terra et Goldman. Comment je vais faire? Ah, c'est pas compliqué. Faut que j'aille à l'étage déjà. J'étudie à l'étage, je suis con. Je crois que j'étais au sous-sol moi. Alors, je vais juste échanger avec Terra. Et après, échanger avec Terra, si j'échange avec Goldman, normalement, ça devrait pas poser de problème. Et par contre, vous allez voir la fin. Est-ce que c'est le corps de Terra cette fois? Oh. C'est... Je ne suis pas confortable dans un corps de fille. Le mec est toujours aussi paniqué, cette musique est toujours aussi épique. On dirait que je vais castigner du monstre là. Et donc là... Hein? Je suis devenu Monsieur Goldman, qu'est-ce que je devrais faire? Alors déjà ça c'est fait, ensuite l'ordre. Ensuite j'ai dit qu'il faut que je prenne Forest, que je fous dans le corps de River. Donc il faut que je revienne avec le corps de River en fait. C'est comme ça, voilà. C'est tordu ce truc. Non, mauvais bouton. La vidéo file déjà beaucoup trop longue. Ok, attends, j'ai le corps de River, je vais pouvoir le donner. Ah, ça va être marrant ça, parce que comme ils sont en couple, River et Forest, si on échange leur corps...
On échange pas leur corps en fait. Hop là. Wouah. River. Est-ce que ce truc de d'échange de corps machine va nous ramener? Non. Ensuite, il faut que... Ensuite, le dernier switch. Normalement, je crois que ça va être bon avec ça. Est-ce qu'il faut que H soit dans Forest? Ah non. Ah mais attends. Il faut que River soit dans H, c'est le cas. Donc j'ai fini, oui. C'est bon. C'est-à-dire que théoriquement, on peut sortir. Si je me suis pas gouré. Tête tombée. Si on peut sortir, on va pouvoir enfin avoir la fin. Oui! Bon, c'est parti, alors la traduction en gogo là. Alors, à propos de ça, je vois pas comment traduire. Si vous entrez dans ce bâtiment, vous n'allez pas en sortir si facilement. C'est la maison des mystères! Vous pourriez, vous pourrez faire l'expérience du... Ce qu'il y a, du célèbre, du sous-nommé, Escape Game. Les détails ne sont pas si difficiles. Hey, vous là, pourquoi vous n'essayeriez pas d'entrer? Oui, vous deux là. Deux personnes et groupe par... Apparemment c'est seulement par groupe. Une paire d'hommes et de femmes particulièrement seront vraiment très intéressants. Ayez de l'amusement. Même après que vous soyez échappé pour à jamais. En effet, vous allez avoir du fun pour l'éternité. Désolé de ma traduction, j'ai un peu tout gâché. Donc on comprend que cette maison était l'endroit dans lequel on était on était piégé et qu'il y en a un qui s'amuse bien de tout ceci. Et après, alors je sais pas si c'est après ayons un rencard ou après qu'on ait eu un rencard. Ah oui, je pense que c'est après qu'on ait eu un rencard. À quel niveau tu penses qu'on est? Est-ce que ça voudrait dire que tu sous-entends par là que la traduction était pourrie? Allez, ça sera bientôt ok, non? Qu'est-ce qui le serait? Je pense qu'il y a un bisou, ça sonne mal. Qu'on s'embrasse, voilà. Qu'on s'embrasse. Tant de vrai. Quand est-ce qu'on pourra le faire? Mais c'est un petit peu. Oh, ça devait pas être un ça ne devrait pas être un problème, allez. Il faut juste connecter nos lèvres. Mais. Pourquoi est-ce que tu es si réfractaire? Parce que. Ah. Donne-moi une pause. Tu peux pas endurer un simple baiser? Est-ce que tu penses c'est mon propre corps? Oui, parce que évidemment on a dû changer de corps pour sortir, mais on ne peut pas changer de corps à l'extérieur. Hein. Oui, comment tu peux t'attendre à que je m'embrasse moi-même? Mais ce n'est pas ça, Forest et River sont des amoureux, ils sont en couple. Ça serait bizarre si on ne le ferait pas, non? Et après ça, je pense que je suis en train de penser à des choses un peu plus sensuelles, romantiques. Ok. Sont au menu, je sais pas, sont prévus.
hein, des choses plus intimes, plus sensuelles, je crois. Je sais pas trop comment traduire ça. Est-ce qu'il y a, alors, j'ai pas trop vu. Est-ce qu'il y a même sortir de l'eau derrière la statue? Attendez, vous ne pouvez pas juste faire tout ce que vous voulez de pervers avec mon corps. Oui, c'est à peu près ça. Remettez les mots dans l'ordre. Oh, c'est l'ex River, l'ancienne River. D'où est-ce que tu sors? Qui est-ce que tu appelles ancien? Je suis River, la génie. Tiens, c'est vrai que c'est un génie, j'ai oublié. Honnêtement, je vous ai laissé... Ah oui, je vous ai quitté de l'œil pendant une minute et vous commencez à faire tout ce que vous voulez. Oh. C'est ok, ton corps va bien. J'en doute. Elle en doute. C'est vrai, je n'ai encore rien fait. Hein, je suis vraiment très... Je sais toujours pas comment traduire careful, très... Je fais très attention, voilà. Le problème, c'est que le verbe n'existe pas, on est faire attention, donc... Mais... Ça fait quelque temps quand même. N'as-tu pas dû prendre un bain déjà? Hein? C'est... Tu as dû déjà aller aux toilettes quand même, non? Faut dire, hein, tu as pas dû te retenir pendant tant de temps. Forest. Serait-il possible que tu aies vu? Juste un peu. Forest Baka. Pouah. Est-ce que tu as un quelconque problème avec ça, Terra? C'est sans espoir. Je suis Monsieur Goldman maintenant. C'est vrai, désolé. Mais non, c'est... Je sais pas traduire ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais... De toute façon, vous pensez à propos de votre famille, n'est-ce pas? Ouais, je les ai rencontrés... En essayant de prétendre d'être vous... Ça devient compliqué à traduire, là. Non, c'est... Ce genre de choses ne doit pas être nécessaire. Je suis juste inquiet à propos du fait qu'elle fail. Qu'elle. Comment on dit fail? C'est l'échec. Qu'elle échoue à son examen. Est suffisant. Fou fou fou. C'est quoi ce rire? Pape père. Traduire par père, c'est chelou en fait. On dirait qu'elle arrive. Oh, ma fille. Kia! Boum! Collision! Ah, ma fille! Est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Je me sens terrible. Je me sens mal. Hein? Mon corps a soudainement dessin. Est-ce que le corps de rêveur est finalement devenu plus mature? C'est n'importe quoi ce jeu. Ah, papa, je sens que ma tête est bizarre. Ah, attends. Quoi? Encore ça encore? La situation devient sans espoir. Mais bon. Ça va probablement être plus intéressant. À partir d'ici. Fin. Pourquoi c'est écrit fin en français? Bon, voilà. On a fini ce jeu. Bon, comme je traduis et que je traduis mal, je l'ai pas trop fait, mais la première fois que j'y ai joué, j'étais quand même assez mort de rire. Que je voulais vous le faire découvrir, et c'était surtout un test pour moi pour voir si je suis capable de traduire à la volée. J'ai eu quelques difficultés, donc plus que d'habitude, j'aimerais vous dire de mettre en commentaire vos impressions.
de me dire si je dois m'améliorer avant de me lancer dans un let's play d'un jeu en anglais, si c'est ok, si je devrais abandonner l'idée d'essayer de faire ça. Donc voilà, plus que d'habitude, mettez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo. Et bah tiens, je pense que je vais mettre le lien du jeu dans la description si jamais vous voulez y jouer. Mais maintenant que vous avez la solution, ça doit plus être très marrant. Je ferai mieux de mettre un message au début de la vidéo. Bon bref, c'est pas grave, hein. La vidéo fait une heure. Je sais pas si je vais la découper. Bon, de toute manière, vous verrez bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nanin.